Encore une fois, le micro était éteint. Je peux faire toutes les annonces du monde, si je n'allume pas mon micro, ça ne sert strictement à rien, qu'en pensez-vous ? J'ai une grande nouvelle aujourd'hui, une grande nouvelle pour moi, principalement. C'est mon avant-dernière vidéo aujourd'hui que je tourne pour l'année 2021. Mercredi sera notre dernière vidéo sur cette chaîne pour l'année 2021. Je tirerai ma révérence, je vous dirai ciao pour quelques temps. On se retrouvera en 2022. Mais aujourd'hui, maintenant, nous en sommes au moment où nous allons parler des tops et des flops de l'année 2021 dans la catégorie luxe, vidéo que vous attendez certainement, vidéo que chaque année je prends un plaisir fou à faire. Let's go, c'est parti, parlons des top luxe de cette année 2021. Nous commençons avec la catégorie fond de teint. Et le meilleur fond de teint de l'année 2021, roulement de tambour. J'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Que voulez-vous que je vous dise ? J'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Il fallait que je fasse mon petit effet, je suis désolée. Mais il y a eu beaucoup de produits teints qui sont sortis cette année et on peut dire qu'un certain nombre m'ont vraiment, vraiment plu. Donc, je pense qu'un des fonds de teint qui m'a le plus bluffé cette année et un des fonds de teint qui m'a le plus surprise, et je ne m'attendais pas à aimer ce fond de teint, le Good Apple de chez KVD Beauty est un des fonds de teint luxe que j'ai préféré utiliser cette année. On est sur une très haute couvrance, un fond de teint baume que moi j'aime appliquer avec un kabuki, mais qui s'applique aussi très bien avec l'éponge. C'est un fond de teint qui va convenir principalement aux personnes avec une peau sèche. Si vous avez la peau grasse, ça ne va pas vous convenir. Mais si vous avez la peau sèche ou la peau normale ou la peau mixte à tendance sèche, c'est un fond de teint qui va vous donner un fini sublime seconde peau, un résultat satiné naturel et une très haute couvrance. Deuxième fond de teint que j'ai découvert cette année et qui est un de mes fonds de teint préférés en hiver lorsque ma peau est très déshydratée, a tendance à tirer, à être sèche. Et c'est un fond de teint dont je vous ai beaucoup parlé l'hiver dernier. Le Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder a été une autre excellente découverte cette année. C'est un fond de teint qui va convenir particulièrement aux peaux qui sont très déshydratées ou aux peaux matures parce qu'en fait, il accompagne. J'aime bien comment je fais mon mouvement. Il accompagne les mouvements de la peau. Il ne va pas se loger dans les rides et ridules. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Il fait un aspect de peau très frais, très hydraté, très repulpé. Voilà pourquoi c'est un de mes fonds de teint préférés en hiver. Le dernier fond de teint dont je vous parle, c'est le Soft Matte Complete Foundation de chez NARS. Ce fond de teint est absolument merveilleux si vous aimez les fonds de teint avec un fini mat. C'est le plus joli fond de teint fini mat que j'ai pu tester. Il épouse la peau, fait un effet seconde peau. C'est pas un mat qui va plomber le teint, c'est pas un mat qui fait effet déshydraté. Il convient aussi bien aux peaux qui sont sèches qu'aux peaux qui sont mixtes, même les peaux grasses. Il a une excellente tenue. Et ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint, c'est qu'il floute tous les pores. Il floute, il fait disparaître vos pores, tout simplement. Quand vous l'appliquez, tout d'un coup, la peau est photoshopée. Cette année, il y a eu toute une vague de sérums de teint qui sont nés et franchement, il y en a que j'aime beaucoup. Les sérums de teint, ce sont ces petits produits qui sont un hybride entre un produit teint comme une bébé crème ou une CC crème et un fond de teint. On a une couvrance de fond de teint, mais on a une légèreté sur la peau qui ressemble énormément à ce qu'on pourrait avoir avec une crème teintée ou une bébé crème. Le premier, c'est un produit de chez Fenty. C'est les Easy Drop Blurring Skin Tint. C'est un produit qui blur, comme son nom l'indique. Ça va flouter. Flouter les imperfections, flouter le grain de peau, avoir une couvrance qui est une couvrance légère à moyenne. On n'est pas sur une couvrance extrêmement intense. Et un fini mat, légèrement poudré, super joli, à porter toute la journée. Surtout si vous avez la peau mixte à tendance grasse. Si vous avez la peau sèche, je vous conseillerais à 1000% le Hydroflex Sérum de Teint de chez Tarte, qui est, je pense, le premier fond de teint de chez Tarte que j'aime depuis des années. Le Hydroflex Sea Serum Foundation, c'est un fond de teint avec un effet sérum hydratant, très repulpant, avec cet effet très lumineux qui va convenir aux peaux qui sont sèches, déshydratées, très très sèches. Et aussi les peaux matures l'apprécient parce que c'est un fond de teint là aussi qui ne se loge pas dans les rides, ridules, etc. qui ne marque pas les pores et qui fait véritablement une peau très hydratée. Catégorie bébé crème, la meilleure bébé crème. La découverte de l'année 2021, elle est presque arrivée en 2022 d'ailleurs, cette découverte, parce qu'elle est très récente. Mais sérieusement, ce produit a complètement, j'ai envie de dire, éclipsé tous les autres produits teints de type bébé crème, etc. que j'ai pu tester. Mon cerveau a fait pouf. C'est un produit de chez Trini London et j'ai envie de dire que c'est aussi ma surprise de l'année. C'est le BFF Serum Distress. La couleur que j'utilise, c'est la couleur claire.
ce produit-là, allez voir mon premier Vlogmas ou ma première histoire de Noël. Je vous le montre en application. Je vous assure que ce produit-là, c'est le produit Bonne Mine le plus incroyable que j'ai pu tester. Ça n'a pas une couvrance extraordinaire, c'est vraiment une couvrance légère à moyenne, mais pourtant ça floute tout, ça me fait une peau parfaite, ça me donne bonne mine. À l'intérieur, il y a un sous-ton un petit peu abricoté qui réveille le teint, parfait pour l'hiver. Et surtout, là où je suis surprise, c'est qu'avec une couvrance aussi légère, en fait, on ne voit pas les taches, cicatrices, boutons, etc. C'est complètement modulable et ça fait un effet seconde peau, comme j'ai rarement vu. D'autre part, c'est hyper hydratant. Ma peau reste belle toute la journée, super fraîche, super hydratée. Je suis complètement amoureuse de ce produit. C'est... meilleur anti-cerne de l'année 2021. Plus belle découverte anti-cerne de l'année 2021. Un anti-cerne avec une couvrance moyenne, avec un fini impeccable, hydratant, lissant. Pas besoin de le poudrer. C'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme qui a été, je pense, ma plus belle découverte anti-cerne de l'année 2021. C'est un anti-cerne avec une couvrance moyenne, mais la couvrance est modulable, c'est-à-dire qu'on peut augmenter en venant rajouter des couches d'anti-cerne. Et sérieusement, c'est un anti-cerne qui se fond dans la peau, qui ne se voit pas. C'est un anti-cerne qui ne marque pas les ridules. C'est un anti-cerne qui a un effet lissant et hydratant. Si vous avez des plaques de sécheresse sur le contour des yeux, si vous avez des ridules, si vous avez le contour de l'œil sec, c'est un anti-cerne vraiment à découvrir. Il est top. Autre découverte que j'ai faite cette année, là on est plus sur un contour des yeux, un petit peu dans la vibe, vous savez, des effets extrêmement naturels avec les sérums de teint, etc. Ce petit produit là de chez Fenty qui est sorti au printemps dernier, le Bright Fix, illuminateur contour des yeux, qui n'est pas du tout un illuminateur dans le sens où ce n'est pas un produit lumineux, ce n'est pas un produit qui va avoir un effet glowy, ce n'est pas un produit qui a un effet mouillé, c'est vraiment un mat, mais un mat qui renvoie la lumière et qui a un effet très très lumineux lorsqu'on l'applique sur le contour des yeux, c'est-à-dire que ça va juste faire un coup de frais. Si vous n'avez pas des cernes hyper marquées ou que vous aimez les maquillages très naturels, ce produit-là, c'est de la bombe. Il y a plusieurs sous-tons en fonction de votre besoin. Moi, j'utilise beaucoup le melon 06 parce qu'à l'intérieur, il y a du pêche et que ça vient contrecarrer, ça vient contrebalancer mes cernes qui sont plus foncées, plus bleutées. Donc, en fonction de votre besoin, orientez-vous vers le sous-ton qui vous conviendra le mieux. Fais-toi une beauté avant de passer à l'écran, petite palette. Dans la catégorie poudre pressée, la meilleure poudre pressée de l'année 2021, parmi les découvertes que j'ai fait, les nouveautés qui sont sorties, c'est la Hyaluronic Hydra Powder Palette, qui est en fait une version de la poudre hyaluronique de chez By Terry, mais version teintée. Vous savez que d'ailleurs dans les poudres hyaluroniques de chez By Terry, ma version préférée est la version teintée, et là on en a une version poudre pressée. Deux choses que j'aime, il y a deux palettes, donc on en a une pour les peaux plus foncées et une pour les peaux plus claires. Celle-ci, c'est la Fair to Medium, donc c'est celle pour les peaux claires à moyenne, et j'utilise cette poudre constamment. Pourquoi j'adore cette poudre? Elle matifie, elle n'est pas desséchante, c'est une poudre que je peux utiliser sur mon contour des yeux, et c'est une poudre facile pour faire des retouches. On peut en rajouter et en rajouter et en rajouter, et on n'a pas un effet cakey sur la peau. On n'aura pas d'effet de matière, ce ne sera pas épais. Bon. Je tiens juste à préciser que les poudres pressées ne sont jamais aussi matifiantes que les poudres libres, et que cette version-là est une poudre hydratante, donc qui va convenir aux peaux déshydratées ou aux peaux marquées. Meilleure poudre libre de l'année 2021. Je vous laisse répondre parce que je suis sûre que si vous êtes sur cette chaîne maintenant, vous savez de quelle poudre je vais parler, j'en suis certaine. La Ultra HD, la nouvelle version de la Ultra HD teintée de chez Makeup Forever. Alors, avant qu'on aille plus loin dans les discussions, en France, la poudre existe, elle n'a pas le même packaging. Le petit bouchon noir, c'est la version nord-américaine. La France, je pense que le bouchon est gris argenté, mais c'est exactement la même poudre, même formulation. De toutes les façons, vous avez les liens en barre d'infos et je vous mets les liens directement vers les bons produits. C'est la poudre la plus fine, la plus floutante, la plus effet photoshopée que j'ai pu tester depuis de nombreuses années. Jusqu'à présent, j'utilisais exclusivement la poudre de chez Huda Beauty. Je l'ai remplacée par la Ultra HD. Elle est moins matifiante que ma Huda Beauty. Et si vous avez la peau qui a tendance à être huileuse ou grasse, je vous conseille plus de vous orienter vers celle de Huda Beauty parce que celle-ci a un effet plus naturel. Donc, elle conviendra à une peau mixte normale, mais si vous faites beaucoup beaucoup de sébum, orientez-vous directement ou vers Laura Mercier ou vers Huda Beauty. Par contre, si vous avez la peau normale, la peau mixte à déshydratée, mixte à grasse, si vous avez la peau sèche, cette poudre-là, un bijou.
un bijou. Catégorie bronzer. J'adore les bronzers. Le meilleur bronzer, la plus belle découverte bronzer de l'année 2021 est un bronzer qui ne paye pas de mine. Sachez que j'ai beaucoup de bronzers, énormément de bronzers, et que j'en ai pour tous mes besoins. C'est-à-dire que les jours où je veux un bronzer plus chaud, plus froid, un bronzer un petit peu plus mat, un bronzer plus lumineux, j'en ai une tonne. Il y en a plein que j'aime. Mais il y a un bronzer qui s'est démarqué cette année. J'ai nommé le Soft Sculpt Bronzer de chez Pai Mario. La couleur que je mets, c'est la couleur Light Medium. Ce bronzer-là, je l'ai acheté juste avant de partir en vacances. Je voulais quelque chose de petit pour partir en vacances, qui ne prenne pas de place. Donc je suis allée chez Sephora et j'ai acheté ce bronzer. Et à ce moment-là, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'allais découvrir The Bronzer. Il est ultra fin sur la peau. C'est un mat, un vrai mat. Il est ultra soyeux, la couleur est parfaitement équilibrée, ni trop chaude, ni trop froide. C'est une couleur que j'ai utilisée en été et que j'utilise maintenant, donc elle est multi-saison. Il y a beaucoup de teintes disponibles, c'est le bronzer parfait. Il se fond dans la peau, il donne un teint bronzé sans faire poudreux sur le visage. Il est ultra fin, tu es mon préféré, je reviens à toi constamment. Produit que vous m'avez vu énormément utiliser cette année, qui mérite aussi une standing ovation, c'est le bronzer crème. Alors comment s'appelle-t-il exactement? Le Soft Sculpt Shaping Stick de chez Pai Mario en couleur Light Medium. Ici, vous avez le bronzer poudre. Ici, vous avez le stick contour, qui est un stick contour que j'utilise aussi seul pour faire un effet bronzé sur mon visage, mais un bronzé un peu plus naturel. C'est un stick contour, donc il est plus froid. Ne vous attendez pas à une couleur super chaude. C'est vraiment une couleur froide, mais une couleur froide qui ne fait pas gris. Ça ne fait pas terne, ça ne me fait pas un teint de mort-vivant sur le visage. Certains sticks sont très secs, très secs quand on les applique, ils ont tendance à bouger, la matière en dessous, le fond de teint, etc. Celui-ci est juste crémeux comme il faut, il s'estompe super facilement, il a un niveau d'hydratation qui est juste ce qu'il faut, il ne déshydrate pas ma peau, je l'adore. Puisqu'on parle de bronzer, il fallait quand même que je vous parle d'un bronzer qui a retenu mon attention cette année. Un bronzer extrêmement naturel, un bronzer très fin sur la peau, qui donne juste ce flush de couleur. Le Soft Radiance dans la gamme Glowish de chez Huda Beauty, sorti cet été, est un bronzer que j'apprécie énormément. Je l'ai en teinte 02 médium. C'est un bronzer avec un fini seconde peau, satiné, ni mat ni lumineux, et extrêmement fin sur la peau. Je vais vous le swatcher sur la main, vous allez me dire on voit pas grand chose. Oui, et c'est le but. Le but de ce bronzer, c'est vraiment de pouvoir doser la quantité qu'on veut. Plus vous allez en mettre, plus vous allez avoir un effet bronzé sur la peau. Et il est d'une finesse incomparable. Catégorie blush maintenant, les blushs qui m'ont véritablement bluffé cette année, les blushs qui sont sortis du lot. La création blush de l'année va à Pat McGrath avec ses Skin Fetish Divine Blush. D'abord, le packaging est chic, il est beau, il est luxueux. Ensuite, l'intérieur du produit, franchement, regardez-moi cet embossage avec ces roses magnifiques. Et enfin, le rendu sur la peau de ces blushs n'a pas son pareil. On est sur des blushs seconde peau qui viennent juste teinter la joue mais qui sont en même temps assez pigmentés. Elle a inclus l'ensemble des types de carnation de peau, les peaux les plus claires aux peaux les plus foncées. Le produit se travaille super bien, il est fin, ne fait pas de taches. Je suis amoureuse de ces blushs, j'en ai toute une collection. Je vous ai swatché quelques couleurs sur ma main et sur mon poignet juste pour vous montrer qu'on peut aller des couleurs les plus pâles aux plus pigmentées. Et le résultat de ces blushs sur la peau est parfait. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez envie de vous offrir un très très beau blush. À mon sens, les blushs les plus réussis de cette année, c'est vraiment ceux-là. Catégorie blush crème, cette année il y a eu de belles découvertes dans les blush crème. Vous savez que je suis une grande fanatique des blush crème. Commençons par les blushs de chez Hourglass, Vanish Cream Blush. La couleur que j'ai le plus utilisée et que j'utilise le plus, c'est la couleur Loyal, qui est un nude avec un intérieur un petit peu de marron, de pêche. Il est très très joli, très facile à porter, s'estompe parfaitement dans la peau et a un effet seconde peau. Autre blush crème qui a retenu mon attention, on est sur des
texture assez similaire dans les deux cas. On est sur un blush crème qui a un effet seconde peau infini, qui est satiné mais qui est poudré, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'estompe, il devient poudré. C'est les blushs crème de chez Anastasia Beverly Hills qui sont super bien réussis. Donc celui-ci, c'est le Stick Blush en couleur latte. C'est là aussi une des couleurs que j'ai le plus utilisée. On est sur un nude avec un petit peu de mauve à l'intérieur, donc un nude qui convient véritablement au maquillage plus froid ou plus rose ou plus mauve. Donc, ici, vous avez le latte dans les sticks Anastasia Beverly's et ici le Hourglass, donc qui est beaucoup plus brique en fait. À l'intérieur, il y a un peu plus de rouge, d'orangé à l'intérieur. Autre belle découverte au niveau des blushs, c'est mes blushs de tous les jours. C'est les blushs que je porte aujourd'hui sur le visage, c'est les blushs de chez Rare Beauty. D'ailleurs, quand la marque est sortie, ça a été le produit qui a fait le plus le buzz. Ce sont les Soft Pinch de chez Rare Beauty et c'est mes blushs de tous les jours. Dans les Soft Pinch, il y a ceux qui sont plus lumineux, plus douille, et il y a les mats. Personnellement, j'utilise beaucoup plus les mats que les lumineux, tout simplement parce que dans les couleurs proposées dans les lumineux, ben c'est pas automatiquement des couleurs qui me plaisent, mais les deux sont excellents. Et les deux couleurs que je porte le plus sont Bliss, dont je vous ai déjà parlé, et la couleur Hope, qui est la dernière, qui fait partie des dernières couleurs qui sont sorties, qui est un rose pour le coup, avec un petit peu plus de ton froid à l'intérieur. Donc ici vous avez Bliss et ici vous avez Hope. Donc aujourd'hui moi j'ai Bliss sur l'avant de la pommette et Hope plus rose sur le haut de la pommette. Et c'est des blushs parfaits. Catégorie illuminateur à présent, il y a un illuminateur qui m'a marqué cette année. Je pense qu'il va être difficilement détrônable. C'est l'illuminateur qui est sorti chez Dior dans la gamme Dior Forever. C'est le Couture Luminizer. J'en ai plusieurs en ma possession, plusieurs couleurs. La couleur que je mets le plus, moi, c'est le Nude Glow 01, qui est un nude gold. J'aime bien dire ça. C'est véritablement un nude gold. C'est un illuminateur d'une finesse, d'une beauté, d'un effet. Il n'est pas battable. On est sur une formule gel, donc les formules gel, plus vous les travaillez, plus vous les réchauffez, plus ça devient fin sur la peau, plus ça se fond dans la peau et ça fait cet effet à la fois lumineux, mouillé, mais ça n'accroche pas les défauts de peau. Au niveau de l'intensité de l'illuminateur Dior, on est sur un illuminateur qui peut être ou naturel ou beaucoup plus intense et c'est ce que j'aime. Parlons de spray fixateur, parce que j'ai fait des découvertes spray fixateur cette année. En fait, j'ai fait une découverte. Un spray fixateur que j'aime beaucoup, j'en ai terminé un et j'en suis à la moitié du deuxième, juste pour vous dire à combien j'aime ce spray fixateur. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Ce spray fixateur vous fait un maquillage parfait qui tient toute la journée. Vous savez, quand on a trop de poudre ou un fond de teint qui n'évolue pas bien, vous le vaporisez sur votre peau, passez une petite éponge par-dessus pour bien fondre le spray fixateur à la matière et plus aucun effet poudreux. Le maquillage se fond, les différentes couches entre guillemets de fond de teint, poudre, blush, etc. se fondent complètement. Ça fait cet effet, j'ai envie de dire red carpet, mais c'est vraiment ça, ça fait un effet red carpet. J'ai l'impression que à chaque fois je vais faire un photo shoot pour Hollywood quand je l'applique, parce que ma peau est juste impeccable et il prolonge pour de vrai la tenue des produits teints. C'est pour ça que je l'adore. Le meilleur mascara de l'année 2021 est nul autre que le Lash Idol de Lancôme. C'est un mascara que vous m'avez vu utiliser dans presque tous mes Get Ready With Me. Il y a beaucoup de mascaras que j'aime, mais celui-ci, c'est mon indispensable. Il fait tout. Il courbe les cils, il les sépare, les allonge, donne du volume. Plus vous en rajoutez, plus vous aurez de volume. C'est véritablement un mascara qui fait une différence sur mes cils. Et vous le savez, mes cils sont des cils de... Non, vous n'allez pas m'insulter quand même, il n'y a que moi qui ai le droit de le dire. Les cils de gnome, n'est-ce pas? J'ai des tout petits cils. J'ai besoin de longueur, j'ai besoin d'épaisseur, j'ai besoin de définition. Et ce mascara me donne tout ça. Je tiens à mentionner, puisqu'on parle de mascara, que ce produit-là fait partie de mes produits aussi préférés. Toujours chez Lancôme, c'est le Lancôme Cil Booster XL. C'est de loin une des meilleures bases à mascara que j'ai pu tester. J'ai testé beaucoup de bases à mascara et souvent je vous en parle pas parce que je trouve pas ça waouh, mais là c'est waouh. C'est la base que j'utilise tous les jours sous tous mes mascaras et je ne peux plus m'en passer parce que elle donne vraiment un plus. Elle permet à tous mes mascaras de tenir la courbure, ce qui est quand même relativement important, et j'ai remarqué aussi qu'elle permet à des mascaras qui ont d'habitude qui transfèrent de beaucoup moins transférer. J'ai un petit cadeau pour vous. Aujourd'hui, j'ai un petit concours rapidos prestos dans les commentaires pour vous. Lancôme Canada offre à 5 d'entre vous résidant au Canada. Je suis désolée, c'est un concours avec Lancôme Canada, pas Lancôme France. Si Lancôme France
avait la gentillesse de me parler, je leur demanderai immédiatement un concours pour vous. Lancôme Canada a eu la gentillesse aujourd'hui d'offrir à 5 d'entre vous. Vous pouvez gagner donc un mascara Lash Idol, mon mascara préféré, et un rouge absolu. Vous connaissez les rouges absolus, je vous en ai déjà parlé, ce sont mes rouges préférés. Celui-ci est tout sale parce que je l'aime beaucoup. Ce sont mes rouges à lèvres préférés chez Lancôme. C'est ma formule préférée. On est sur des mattes satinées avec une très longue tenue, une couvrance totale au niveau de la pigmentation, hyper confortable. Et quand on a parlé avec l'équipe Lancôme, on se disait qu'est-ce qu'on pourrait offrir. Et j'aurais dit j'aimerais offrir deux de mes produits préférés. Et donc voilà, aujourd'hui vous pouvez gagner un mascara Lash Idol et un rouge. La couleur du rouge, je vous préviens, c'est pas la couleur que je vous ai swatché là, ça va être une couleur surprise en fonction de leur stock. Tout le monde peut commenter la vidéo, bien évidemment, même si vous ne participez pas au jeu concours, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et surtout, c'est très important pour moi qu'aujourd'hui vous commentiez, parce que de vos commentaires va naître une vidéo. Donc on en parlera à la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez participer au concours Lancôme Canada, c'est très simple. Vous allez m'écrire dans les commentaires d'où est-ce que vous êtes au Canada. Vous allez me dire de quelle région vous êtes. Est-ce que vous êtes de Granby, de la Gaspésie? Est-ce que vous venez d'Ottawa ou même de Vancouver? Partagez-moi votre région au Canada et ça va me faire super plaisir de vous tirer au sort. Très important, pour que je puisse vous contacter, il me faut absolument votre adresse mail ou votre contact Instagram. Vous avez 3 jours ouvrables pour participer à ce concours et l'ensemble de l'information est dans la barre d'infos. On va parler maintenant de palettes pour les yeux. Cette année, à ma grande surprise, n'a pas été l'année des plus grandes découvertes palettes. C'est-à-dire que j'ai beaucoup utilisé mes palettes des années passées. Cependant, il y a certaines palettes que j'aime beaucoup et dont j'aimerais vous parler. Dans la catégorie meilleure palette de basique 2021, la palette Master Matte de chez Makeup by Mario est une palette qui ne me quitte pas depuis que je l'ai achetée. Je l'ai amenée avec moi en vacances, je l'ai utilisée tout le long de l'automne. C'est une palette que j'utilise en permanence dès que j'ai besoin d'un matte et que je ne le trouve pas dans mes autres palettes. Ou si j'ai envie de me faire un maquillage basique de tous les jours, je ne vais pas commencer à plonger dans toutes mes palettes avec plein de couleurs. Je vais vers cette palette-là. Le basique, vous savez, comme, je ne sais pas, une paire de culottes confortables. Est-ce que j'ai osé dire ça sur YouTube? Je vais vous dire ça. I'm sorry, je suis désolée. Mais oui, ce que je veux dire, vous savez, on a tous cette paire de culottes très peu sexy dans nos tiroirs, mais pourtant dont on ne se séparerait jamais tellement elle est confortable. Cette culotte que nous portons les jours où, tout simplement, nous avons besoin de confort, cette palette-là est ma culotte confortable. C'est une palette d'indispensable. Les mattes sont pigmentés, se travaillent bien et vous avez toutes les couleurs mates qu'il vous faut pour réaliser n'importe quel maquillage. Meilleure palette format compact, la Climax de chez NARS. J'en ai parlé tout l'automne, je vous ai rabattu les oreilles avec cette palette. C'est une palette absolument incroyable si vous aimez les tons froids, si vous aimez les smoky. Elle est d'une qualité, d'une pigmentation absolument sublime. La color story de la palette est un condensé de tout ce que j'aime. On peut faire des maquillages avec du taupe, avec du vert, avec du bleu ardoise. Que de beauté dans une seule palette. Regardez-moi le miroitant de ces fards métallisés. Il n'y a rien à dire. Cette palette est sublime. Je pensais que ce serait une édition limitée. Finalement, ça fait plusieurs fois qu'elle revient en stock. Il se pourrait que NARS la garde vu le buzz qu'il y a eu autour de cette palette. Autre palette qui m'a beaucoup plu cette année et que j'aime d'un amour immense, c'est la Anastasia Primrose palette. Anastasia Beverly Hills n'avait pas sorti de palette pendant un sacré bout de temps et sérieusement, ça valait le coup d'attendre. J'aime énormément cette palette. Elle a un défaut, je vous le dis tout de suite. C'est une palette qui est arrivée cassée et en fait, les deux fards qui sont ici sont des fards qui sont fragiles. Ils ne sont pas poudreux, ils sont extrêmement crémeux. Donc en fait, juste en venant les presser au doigt, j'ai pu les remettre à l'intérieur. Il fallait que je le mentionne. Cependant, c'est une palette que j'aime d'amour fou. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai fait une revue. Je vous ai montré les swatchs, aussi bien des blushs que des fards. Sérieusement, les blushs sont ultra pigmentés et aujourd'hui, c'est avec ça que j'ai maquillé mes yeux. Et j'aime tout. J'aime les blushs, j'aime les fards mat, les métallisés. C'est une palette que je garde à portée de main parce que c'est une palette que j'utilise beaucoup dans mon quotidien. Et c'est une palette, je trouve, qui est multi-saison. Elle me conviendra aussi bien en été que maintenant. Donc c'est pour ça que c'est une palette que j'ai retenue dans cette sélection des meilleures palettes de l'année 2021. Palette qui mérite une acclamation aussi cette année. Je ne pensais pas. Sérieusement, je ne pensais pas que je l'aimerais autant. La Rose Quartz de chez Huda Beauty est
une pure réussite. Je vous ai fait une vidéo avec plusieurs looks dedans, je vous la mets ici en barrette d'informations si vous avez envie de la voir. C'est une palette que je trouve d'extrêmement bonne qualité. Les fards se travaillent super bien. On peut faire beaucoup de choses différentes avec cette palette. On a des bleus gris ardoise absolument magnifiques. On a des mauves, on a du gris, on a du doré, du taupe à l'intérieur. Les métallisés sont impactants, ils sont beaux. Et je trouve qu'on peut faire beaucoup plus de looks différents avec cette palette là que par exemple avec la rétro palette de chez Natasha Denona. Et si vous aimez les fards plus froids, sérieusement je trouve que la rose quartz est intéressante. Par contre, chez Natasha Denona, sérieusement, la Glam Face palette. Oh, là j'ai quelque chose qui vaut la peine. Quitte à porter du nude et toujours les mêmes couleurs, au moins je fais tout mon visage avec. Et sérieusement, la qualité des fards, les blushs, les illuminateurs, tout est beau. Voici la light, voici la dark. Je vous ai fait une revue comparative des deux. Et je trouve que tout est réussi dans ces palettes. Aussi bien les fards pour les yeux, que les blushs, que les illuminateurs. Et si vous vous cherchez une palette de nude facile à utiliser dans votre quotidien, que vous êtes quelqu'un qui aime aller droit au but, que vous n'avez pas de temps à perdre à vous faire des maquillages super diversifiés avec plein de couleurs différentes ou plein de types de maquillages différents, c'est un excellent basique. Et je dis oui. Produit lèvres, je ne vais pas rentrer dans le détail des couleurs parce que sérieusement, il y a bien trop de rouge à lèvres à l'unité que j'aime porter. Aujourd'hui, j'ai voulu me concentrer plus sur des formulations de rouge à lèvres qui m'ont véritablement interpellée et surprise plutôt que sur des couleurs parce qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres que j'adore porter. Meilleure formulation de rouge à lèvres, hydratant, crémeux, repulpant, tout ce que vous voulez, va à Huda Beauty et à ses cream lipsticks, les boulettes cream lipstick qui sont uniques. Uniques. Vous avez des peaux mortes, la bouche abîmée. Mettez ça sur votre lèvre, vous allez voir, on ne verra que du feu. Il couvre tout, y compris les peaux mortes, y compris les ridules, il réhydrate la lèvre. Franchement, plus belle réussite de l'année 2021 pour les rouges à lèvres. Au niveau des couleurs, il y en a plein que j'aime porter. Je portais la couleur Hustla au début de cette vidéo. Le Baby Face, qui est juste au centre, est un nude rosé, bois de rose, très facile à porter. Ensuite, vous avez le Hustla, qui est juste ici, si vous aimez les tons froids. On est sur un noisette froid, très très joli. Et enfin, le Baby Face, que j'aime beaucoup, qui a des sous-tons mauves à l'intérieur et un petit peu plus gris, sublime porté avec tous les maquillages froids. La deuxième formulation qui m'a véritablement bluffée cette année, ce sont les rouges à lèvres de chez KVD Beauty qui s'appellent les Epic Kiss. Ce sont ces rouges à lèvres en bâton super fin. C'est ce que je porte là sur mes lèvres maintenant. C'est la couleur She Define 110 que je porte sur mes lèvres. C'est mon nude parfait du moment. Je le porte depuis qu'il est sorti. J'ai plusieurs couleurs en ma possession. J'aime beaucoup le Lolita pour tout ce qui est rouge à lèvres plus froid. J'ai aussi le Eco Féministe si vous aimez les rouges briques. C'est un rouge à lèvres avec une pigmentation incroyable, une tenue absolument géniale. Et en plus de ça, il ne déshydrate absolument pas les lèvres. On les porte et la lèvre reste repulpée, hydratée et belle. Sérieusement, Nars m'ont surpris avec cette formulation de rouge à lèvres. Là, on est sur des rouges à lèvres avec un effet blurred, ça veut dire un effet qui teinte la lèvre. Ça teinte la lèvre avec un effet mat, mais un effet mat ultra, ultra naturel. Ce sont les rouges à lèvres Soft Matte Tinted Lip Balm ou Baume à lèvres teinté velours mat. C'est vraiment ça, ça fait un effet velours teinté et mat sur la lèvre. C'est super joli, très très frais, très naturel. Ne cherchez pas à avoir une tonne de pigmentation, c'est pas le but de ces rouges à lèvres là, mais c'est parfait pour les gens qui aiment avoir un effet de rouge à lèvres très très naturel. Toujours dans la catégorie lèvres, je voulais tirer mon chapeau à Huda Beauty et à ses Lip Contour 2.0 qui sont de loin ma plus belle surprise découverte crayon pour les lèvres de l'année 2021. C'est principalement ce que je mets. J'aime aussi beaucoup ceux de Natasha Denona. J'ai toute une panoplie de couleurs. Ils tiennent très très bien, il glisse sur la lèvre, on peut les utiliser sur toute la lèvre en effet rouge à lèvres ou uniquement en contour. La couleur sérieusement que j'ai le plus utilisé de l'année, qui est devenu mon crayon si je ne devais garder qu'un seul crayon cette année, ce serait le Honey Beige. C'est un nude beige absolument parfait, très naturel, qui va juste donner ce qu'il faut au niveau de ma lèvre pour faire un contour très fin, très naturel. Enfin, une mention très rapide aux meilleurs pinceaux de l'année 2021. Les pinceaux qui ont changé, j'ai envie de dire, la donne dans mon maquillage, les pinceaux Reffer. C'est des pinceaux qui changent la manière de se maquiller. C'est des pinceaux qui m'ont permis de créer des maquillages qui sont beaucoup plus fins, de faire des cut crease, de faire des choses un petit peu plus sophistiquées
en beaucoup moins de temps et de manière beaucoup plus facile. Et si vous cherchez de vrais bons pinceaux pour faire de très beaux maquillages, je vous invite à aller faire un tour sur la page de Refer parce que ce sont d'excellents pinceaux. Passons au flop. Changeons de panier. Comme d'habitude, petit disclaimer, lorsque nous parlons des flops de l'année, rappelez-vous que les produits dont je parle sont des produits qui ne m'ont pas réussi à moi. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous réussir à vous. On va parler d'abord d'un flop qui n'est pas un flop au niveau de la qualité. C'est pas une mauvaise palette au niveau de la qualité. C'est un flop pour moi parce que c'est pas ce qu'on attendait. Et je pense que cette palette, elle a été créée sur une vague de buzz et non pas sur un véritable consensus créatif. Tout a été fait, on est d'accord. Au niveau des palettes, il y a eu des millions de palettes qui ont été faites et aujourd'hui, c'est difficile de sortir des palettes qui sortent du lot. Je le sais et c'est pas une critique par rapport à ça, mais c'est par rapport au fait que cette palette-là, on était très 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 nombreux à l'attendre. On attendait un certain nombre de types de couleurs à l'intérieur et j'ai été déçue. Je vous parle de la rétro palette de chez Natacha Denona qui ne suscite pas mon intérêt créatif. Pour moi, c'est un coup marketing cette palette, c'est-à-dire que ça dit « Oh, la rétro palette, c'est le plus gros vendeur, c'est la palette préférée, on va faire une grande rétro. » On va faire une grande rétro avec des couleurs qui vont plaire à une majorité de personnes, c'est-à-dire du rose et du bordeaux. Mais l'intérêt de la rétro palette, c'était justement qu'il n'y avait pas que du rose à l'intérieur, c'est qu'il y avait du kaki, qu'il y avait des couleurs plus froides à l'intérieur. C'était pas une seule déclinaison de couleurs. Et pour moi, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Donc déjà, le titre de la palette, pour moi, c'est un coup marketing. Elle l'aurait appelée la romance palette. Sérieusement, je l'aurais mieux pris. Je l'aurais mieux avalé. Mais là, le fait qu'elle l'ait appelée rétro palette, je me suis dit non. C'est un coup marketing et ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, c'est dit. Je suis désolée pour ma transparence, mais il fallait que je le dise. Maintenant, ça n'enlève rien à la qualité de cette palette et au fait que si vous l'utilisez et que vous l'aimez, c'est ce qui compte au final. C'est une palette qui a des fards de bonne qualité. C'est juste pas des couleurs qui m'attirent et je trouve que c'est des couleurs qu'on retrouve un peu partout. Pardon, Natacha. J'aime souvent tes produits, mais alors là, la déception. Déception totale. Parlant des produits teints qui m'ont déçu cette année, il y en a quelques-uns. Je vais pas revenir sur tous les produits teints qui m'ont déçu, mais vraiment sur ceux qui m'ont le plus marqué. Le fond de teint d'Huda Beauty, remasterisé. Le faux filter. Alors, l'original, j'étais pas super fan. Il fallait que je le mixe avec d'autres fonds de teint pour pouvoir l'utiliser. Celui-là, non. Celui-là, il a été revu, reformulé. Effectivement, il n'y a plus de parfum à l'intérieur, mais il est horrible sur ma peau. Il est cakey, il marque les pores, il se sépare. Il n'est pas beau, il n'est pas beau, il n'est pas beau, il n'est pas beau, il n'est pas beau sur ma peau. C'est tout, il n'y a rien à dire. Il est super épais sur ma peau et il ne fait pas d'effet faux filtre. À la limite, je préférais l'ancienne version. Même s'il y avait du parfum qui sentait hyper fort et que c'était assez désagréable, je préférais l'ancienne formulation et le rendu sur ma peau plutôt que la nouvelle formulation que je trouve encore pire que la première formulation. Déception Huda, déception. Anti-cerne, un anti-cerne qui a été aimé, adoré par beaucoup de personnes qui ne me convient absolument pas, c'est le Forever Skin Correct de chez Dior qui est un anti-cerne qui ne se fixe pas sur ma peau et qui crease. En permanence. Il rentre dans mes ridules en permanence. Ça fait un effet pâteux, cakey, pas beau sous mon œil. Donc c'est un anti-cerne que je n'aime pas et que je n'utilise tout simplement pas. La palme d'or du pire produit teint de l'année 2021. Le Glowish fond de teint pressé, poudre pressée. Comment l'a-t-elle appelé ? Le Luminous Pressed Powder de chez Huda Beauty. Ce truc-là. Mais si j'ai envie d'avoir la peau la plus moche du monde, il me suffit de l'appliquer, même en toute petite quantité. Au début, je me disais, oh, par-dessus un fond de teint très mat, ça va lui redonner de la lumière. Mais non, en fait, ça ne donne pas de la lumière, ça donne de la texture. On voit tout, les pores deviennent des cratères, la texture devient immonde sur la peau, mais même là où il n'y a pas de texture, genre sur le front, j'ai zéro texture. Et quand je l'ai appliqué, on aurait dit que j'avais des micro-bosses partout. Ça met l'emphase sur tous les défauts de peau. Et je suis pas la seule à avoir trouvé ça. Apparemment, on était très très nombreux à avoir ce ressenti. Donc, la lumière, oui. L'effet cratère sur la peau et texture, non. Un mascara de chez Benefit, le There Real Magnet. Là aussi, j'ai envie de dire, on surfe sur le marketing. Pourquoi ? Parce que le There Real de chez Benefit est un des mascaras des plus gros vendeurs et c'est un de mes mascaras préférés. Je trouve ce mascara magnifique. Il me fait des cils épais, longs, il donne un
plus à mon regard. Donc, ils ont dit, on va en faire une version magnet, c'est-à-dire une version où plus on en met, plus le produit allonge le cil. Et là, je me suis dit, génial, formidable, un mascara qui fait de la longueur. Non, ça ne fait rien, tout simplement rien. J'ai beau passer des couches, passer des couches, passer des couches, passer des couches, pas de longueur, zéro longueur, il se passe rien. Ça me finit par me faire des paquets de cils, ce qu'on dit clumpy en anglais, c'est-à-dire tout collé ensemble, tout aggloméré. C'est pas joli, c'est pas un mascara que j'aime utiliser, c'est tout. Nous avons fini avec les flops et j'ai besoin maintenant de votre aide pour une vidéo qui va arriver. J'ai besoin de connaître, dans les commentaires, dites-moi tout ça en dessous, dites-moi quels sont vos deux produits que vous avez préférés dans l'année 2021. Je fais une vidéo en janvier prochain qui sera la vidéo où je vais tester vos favoris de l'année. Vidéo top et flop terminée, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, venez me rejoindre sur Instagram pour suivre toutes mes péripéties tout au long de la semaine et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous envoie plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merry Christmas, everybody.